Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Three Houses. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de reprendre cette aventure. Vous le savez, j'ai fait une pause, j'ai pris des vacances la semaine dernière, mais vous n'avez rien vu puisque j'avais préparé mes épisodes à l'avance. Donc Fire Emblem Three Houses, pour moi ça fait 2 semaines que je n'y ai pas joué, alors que vous avez vu le dernier épisode normalement finalement. Mais l'épisode 113, il était upload il y a 2 semaines. Ce qui veut dire que à l'époque où j'ai tourné l'épisode 113, je n'avais même pas commencé à tourner l'épisode 1 de Mario 3D All-Stars, alors qu'à l'époque, alors qu'au moment où il va sortir, j'aurais déjà tourné les 6 premiers. Vous voyez, bref. Je ne comptais même pas faire The Witcher, je crois que j'avais même pas acheté le jeu, j'ai déjà fait 3 épisodes dessus. Anyway, tout ça pour vous dire que on est dans l'épisode 114, il me semble, et ça fait plaisir de reprendre le jeu tout simplement. Nous étions en plein combat, il me semble. Oh là, je vous avais cuté ça méchamment en plus. Oh, le bâtard. Mais de toute façon, non, ça change rien. Je me suis bâtardisé tout seul, en fait. Parce que vous, ça vous change pas, le cut, en plein milieu. Puisque c'est la suite tout de même. Donc, bon, je me tais. J'éteins ce générique-là. Enfin, non, pas ce générique, cette pause. Et j'envoie le générique. À tout de suite. Eh ben non, en fait. Loul, là, il y a eu trois. J'ai trop parlé. J'ai dit à tout de suite, 2 secondes après, on était reparti. Alors, par où c'est qu'il faut que j'aille? Ah oui, voilà. Là, on avait l'embouche. Il y a des méchants qui arrivent par derrière, c'est ça? Non, on a tué tous les méchants. L'embuscade. Ah non, j'avais dit qu'il fallait que je les laisse venir, les cocos. Là, ils sont trop nombreux. On va les laisser venir. Donc, fin. Est-ce qu'ils se déplacent? Viens dès les gens. Non, ils veulent pas venir. Est-ce qu'ils vont mettre les pieds si je mets fin? Ouais, ils arrivent. Hein. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore... Alors on va juste peut-être mieux se placer. Donc Edelgard, on va la mettre ici. Byleth, évidemment, on va le mettre là. On va la mettre n'importe quoi. En premier. Linhart, on va support... Non, on va rien faire. On va mettre Yuri en premier. On va mettre là. Hop, on va soigner Byleth. Toi, tu te mets ici. Et hop, comme ça tout le monde est prêt. Quasiment. Hubert, je te mets là. Ok, toi normalement tu pourrais aller là, je pense. Ok, on va mettre pause. Enfin, on va mettre fin. En espérant qu'ils avancent. Ok, ils avancent. L'idée c'est qu'ils avancent pas tous. Mais qu'ils avancent suffisamment pour que... On ne se fasse pas tous attaquer non plus. Là, ils attaquent tous Byleth, je pense. Le problème, c'est qu'ils le tuent pas s'ils le tuent. 100%, 30. Très bien. Esquive, merci. Là, par contre, c'est pas l'épée du créateur, ça. Flûte. Ok, ils sont deux. Et lui, l'attaque. Ok, on va espérer qu'il ne se fasse pas mourir. Ça veut rien dire, mais... Qu'il ne se fasse pas buter. 7 fois 2. Ok, ça m'a l'air d'aller. Très bien. Prend même un niveau supérieur. Maintenant, il faut voir si Byleth survit. Je pense, hein. Petra gagne en niveau. La guerre nourrit mon corps et mon esprit. Ok. Lui encore. Est-ce qu'il se prend d'autres dégâts?
la part des autres. Non. Ah si, prends l'arc, ok. Non, parce que je le rappelle, il y a une embuscade juste derrière. Et donc, vu qu'ils sont tous là, j'aimerais éviter de me prendre tout dans toute la sauce d'un coup. Alors. Vraiment, Byless, il... Alors, Edelgard, si j'envoie Edelgard ici, elle lui éclate sa race. Voilà, 39. 74. Ça me paraît bien ça. Ok, à dégager. Hop. Ça c'est bon. Donc l'idée c'est en fait tout simplement de les buter sans arriver dans cette zone du carré là. Voilà, donc en fait en bougeant la ligne, en ne pas bougeant de cette ligne dans laquelle je me tiens actuellement. Ok. Le but, ça va quand même être d'en tuer un maximum. Est-ce que lui peut tuer lui? Non, alors... L'idée, ça serait d'en tuer un maximum. Donc Byless, il faut qu'il tue genre lui. Épée du créateur, 20, 100%. Ça me va. En plus, il soigne. Très bien. Ok, ça me va. Derrière, il faudrait que Yuri, s'il peut taper lui. Non, il est obligé d'aller là. Donc il va taper lui. Ouh, c'est bien ça. Oh, c'est très bien ça. Hop. En plus, ça va leur faire augmenter leur amitié. Ça, c'est parfait. Parce que du coup, ça les touche tous. Reçu potion. Donc lui, il y a genre... attaque, capacité, non, ok. Il y a zéro chance. Ah, c'est lui, il le tue. Par contre, il va se faire défoncer par l'arc. C'est un peu problématique. Non, ça, c'est pas bon. Attaque, on va aller tuer lui. Ça me paraît être... Ça me paraît être bon, stratégiquement parlant. On va aller soigner Byless. Ah non, c'est lui qu'il faut qu'on soigne. Mais il peut pas se faire attaquer, tu me diras. Ça me plaît pas là. Attaque. Torton. Non, il meurt pas. Flûte. Seul moyen de buter lui. Celui qui se fait s'attaquer. Parce que là, actuellement... Personne n'attaque Byless, on est d'accord. Lui, il attaque lui. Lui, il attaque Byless. Lui, il attaque Yuri. Lui, il attaque Yuri aussi. Ah. En fait, ils attaquent tous Yuri, ce qui n'est pas bon. Parce que du coup, il va crever, non? Il a midlife. 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 Donc ça, c'est pas bon du tout. Après, là, ils attaquent tous lui. Après, lui, il le bute. Ok. Il meurt. Il va crever le pauvre. Flûte. Ah. Non. Ah. La merde. Mais lui, il avait besoin de soins, en fait. Il aurait pu résister, lui. J'ai fait le con. Bon, on va voir ce que ça fait. Parce que... S'il meurt, on changera la strat. Mais je pense qu'il va crever, malheureusement. J'ai bien peur qu'il y passe. Oh, il a esquivé. Oh, ce génie. Ce génie. C'est ça qu'on veut. Ok, donc là, Edelgard. Est-ce que tu peux pas envoyer une tactique? T'as plus de tactique? Ah merde, et toi, t'en as une de tactique? Feu, épée, non. Est-ce que Yuri, t'en as encore une? P
Épée orage. Non. Edelgard, Edelgard n'a pas de tactique. Je pensais quand même. Mais non. Là, le but, c'est qu'on les bute tous. Alors. Bon. Toi, ça va pas le faire. Toi. Toi, en vrai. Tu lui démontes, là, non? Hop, on a vu un où tu le mettais à zéro. Là. Épée orage. Ah, 76, c'est pas bon, ça. Edelgard. Edelgard, ça me paraît bien de la foutre ici. 16 x 2. Ouais, ça c'est bien ça. Hop. Ah, y a pas eu de. Ok, y a pas eu encore l'embuscade. C'est plutôt cool. Non, sérieux, à 3. C'est bien que lui il le tue, très bien. Ok. Le problème c'est que si Byleth avance, ici ça va déclencher l'embuscade. Merde. Je peux pas genre les buter là. Oh Byleth, tu fais quoi? Sérieusement là? Attaque. Tu tues lui. Ce qui en soi n'est pas dégueu. Et derrière, c'est Edelgard qui prend la max. 18% de chance de coup critique. Et là, je peux mettre quoi d'autre? Ah, je le mets pas loin là. Je le mets à 1 quoi. H0. Très bien ça. Ok. Très très bien. Derrière. Est-ce qu'on a pas moyen de le tuer lui? Non. Je suis obligé de me mettre là. D'attaquer Edelgard, Hubert. On va se mettre là. Lui, il faut qu'il dégage. Objet. On va faire prendre une potion. Je peux pas le tuer. Maintenant Dorothea. T'es censé faire des dégâts. Flèche d'Aguia. Ça marche pas la flèche d'Aguia sur cette merde là. Non tu meurs, ok. Yes. Et toi là. On peut pas l'attaquer. Sagittae. Et Ignatz, tu peux pas servir à quelque chose? Tu peux? Non. Évidemment, Hubert. Ah, Hubert, tu peux peut-être le tuer. C'est Edelgard qui prend tout. Oh, c'est chiant. Et est-ce que, genre, Linhart, tu peux pas l'attaquer? Non, ok. Alors, lui, l'archer, dans tous les cas, il attaque Hubert. Est-ce qu'il le tue? Oui. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner Hubert. Est-ce qu'il le tue? 17 x 2, ça fait 34, donc ouais, il meurt en fait. Il meurt dans tous les cas. Ça serait bien de buter l'archer du coup. Là, ils attaquent Edelgard. Les deux. Ouais, donc ils lui mettent cher. Et Byleth il prend cher aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner Byleth. Comme ça, il meurt pas. Et on va essayer de tout mettre sur. Sur l'archer, hein. Je peux pas l'attaquer d'ici. Merde, je pensais que je pourrais. Attaque. Le problème c'est qu'il meurt. On va se mettre là.
Il attaque qui? Est-ce qu'elle va mourir aussi? Oui, elle meurt encore plus même. Là, il attaque Baltheus. Baltheus, il survit. C'est pas beau, ça. Objet. Potion. Hop. Ben, c'est parfait, ça. En espérant qu'ils survivent tous. Et le garde, t'en esquive une, hein. Aïe. J'ai un peu peur. Ok. Très bien. Bah, très bien, ça. Très très bien. Ils ont tous survécu. Donc toi, tu ne mets pas loin. À eux deux, ça devrait le faire. Toi, tu devrais pouvoir le tuer. Non, attends. Byles, tu dois tuer lui. Tu peux pas le faire comme ça d'ici. Avec l'épée du créateur. Merde. J'ai oublié de m'y déplacer. Le problème, c'est que ça va faire popper les autres. Donc on veut pas. Normalement, contre les archers, t'es fort, toi, non? Ça sert à rien. Dorothea. Non, mais... Dorothea, lui, tu le tues, non? Ah, merci. Lui, ça dégage. Ok, Edelgard. Tu nous tues cet archer. Voilà. Il était là. Non, il y était. Voilà. Ok, 0,73, c'est pas si bon. Attends, déjà. La deuxième chose à faire, ça serait de tuer. Il y en a trop. Est-ce que Liori, tu tues lui? Non, pas du tout même. Est-ce qu'Edelgard, tu le fais, toi? Presque. Ouais. Techniquement, oui. Est-ce que Yuri, tu le tues lui? Mais lui, on peut les deux le tuer, là. Donc, dans les faits, genre, je me déplace lui. Voilà. Tant pis, ça fait popper les autres, au moment. Bon, après, ça les fait peut-être pas popper tout de suite. Peut-être que, genre, Yuri, je le mets là. C'est pas mal, ça. Il nous met la misère, en vrai. Bon, il nous met la max aussi, mais... Le problème, c'est que là, elle meurt aussi. Donc, on va faire... Non, faut que je le soigne de là. Donc, support, remède, et de garde. Voilà, faut qu'elle, elle survive, évidemment. Faut que tu butes cette... Ouais, tu peux buter celle-là. Que cette merde là, on peut pas la tuer autrement. Parce que techniquement, est-ce que toi tu peux pas genre lui taper sur le ciboulot? Tumulte. Ça c'est naze. C'est bien ça. Hop. Ça en vrai ça me va. Ça c'est très naze. Mais tu peux peut-être faire ça. Bien ça. Hop, ça, ça me va. Hop. Très très bien. Est-ce que vous pouvez le tuer lui? Tu mets mal, hein. Est-ce que ces deux-là peuvent le tuer? 50. 50, c'est chiant. C'est un sur deux, quoi. Après, Edelgard, elle s'est même pas dit qu'elle survive. Hein. Elle lui met 30 en un coup. Normalement, elle survit. Ah, ça, c'est mieux, ça. Ça, je préfère. Le 100% de précision. Lui, ça arrête que dalle.
Lui aussi, il a que 50. Là, il met 100, mais il crève. Donc, faut lui mettre 15 dégâts. Est-ce que toi, tu lui mets les 15 dégâts? 10, 11. Tu mets maximum 11, donc c'est même pas la peine d'essayer. Est-ce que tu la tues? Oui. Donc, est-ce que je peux pas, genre... Elle a oublié de crever, là? Non, si je me mets là, objet... Potion utilisée. Que je me mets là. Voilà. Objet. Ah, j'ai pas de... Non, t'as une potion, toi? Ok, t'as une potion. Donc, échangeons. Avec lui. La potion. Ok, est-ce que la tactique, j'ai quelque chose qui peut te soigner? Oui, parfait. Magique. Exactement ce dont je cherchais. Ah, ça touche les autres aussi. Ah, du coup, il attaque Linhart. Oh, la salope. Mais combien? 21 x 2? Mais il va pas survivre, lui. Du coup, faut que je fasse ça et que je le tumulte. Faut essayer... Faut espérer que ça touche, hein. Ok, il a essayé. Ok, les autres, ils pop. Ah mais du coup ça bloque. Mais va. Bah... 20 fois 2. Faut qu'il esquive. Hein. Merde. Wait. Ah mais ils attaquent eux aussi. Ah ils attaquent les connards. Genre ils attaquent direct. Ça va pas ça. On peut pas perdre Linhart en fait. Donc là, si Linhart il a vaincu, non, c'est Constance, il faut qu'elle se. Voilà. Hubert il va là. Linhart a rendu 20 PV à Edelgard, 12 PV à Edelgard, ça c'est très bien. On en reste là. Lui il attaque lui, mais il lui fait combien de dégâts? Il meurt. Alors, ce qui est important, qu'on fasse ça et qu'on fasse notre tactique pour tous. Donc on va le faire plutôt ici. Tactique là. Ça soigne aussi notre ami. Au-dessus. Lui, il faut le dégommer. Edelgard, elle s'en occupe. Enfin, elle s'occupe de lui qui va attaquer qui? Il attaque Yori et elle le tue. Donc non, faut qu'on le tue lui. Ah mais il est midlife. C'est pas rentable. Oh là là. C'est triste quand même. Si proche. Ok. Ils attaquent tous Yori en fait. Là, la question c'est est-ce que... On ne peut pas... Est-ce que d'ici tu peux... Tu peux l'attaquer. Attendez, tu lui mets combien toi? Tu lui mets la max. Ok, il meurt. Attendre. Objet. Merde. Le problème vient... Que Yori prend la max. Ok, il l'a esquivé. Joli Yori. Non, Hubert. Non, mais Hubert, casse les pieds. Oh là là, pourquoi il crève comme ça? Ok, donc en fait, on va améliorer déjà. Hubert a bougé. Balthus a bougé, Constance a bougé. Félix a vaincu Escroc. Bah voilà. Très bien. Et là on va pas les bouger en fait. On va les mettre ici. Ils sont pas atteignables. Normalement.
Ok. Là, ça devrait être bon. Bon, Yoru, il t'esquive. Merde, c'est Baltéus qui crève du coup. Non, mais sérieusement là? Oh là là. Et Constance quand même. Tant pis, hein. Non, c'est pas, c'est problématique là. Le problème, c'est que là, je suis obligé de les buter. Je suis obligé d'en perdre deux. On va perdre Baltus et Constance, hein. Tant pis. Hein. On n'a plus le choix. Hein. C'est ceux avec lesquels j'ai le moins de... Il y a le moins d'importance. Un moment, tant pis. De toute façon, on n'a pas assez de place pour, tout, pour jouer tous les persos. Donc, à un moment, il faut savoir prendre des choix. Alors... Toi, tu peux pas y aller. Galliard, tu peux, par contre. Tu peux lui défoncer sa race. À dégager le machin. Et à dégager le machin. Ok. Très bien. Je savais que c'était une embûche, mais... Une embûche. Le problème, c'est que j'avais pas le choix. J'étais obligé d'y aller. Hop. Donc écoutez, tant pis. On a perdu deux joueurs. Mais c'est la guerre. C'est pas grave. On n'a pas le choix. Puis de toute façon, c'est pas dramatique. Mais il en reste encore? Non, mais sérieusement? Mais d'où ils sortent eux là? Lindart, il se défend, mais Hubert non quoi. Sérieusement? Ah non, mais ils sont trop grands. Hein. Comment ça se fait? D'où ils sont sortis ces cons? Hein. Bah tant pis, on va perdre Hubert. Hein, écoutez, je crois que je l'avais déjà perdu aussi. Ça sera l'occasion de jouer d'autres. D'autres personnages. De toute façon, tant qu'on perd pas Linhart, Yuri, Dorothea, ça va. Par contre, on est plus grand monde. Hein. Faut avouer. Donc pour le boss, ça va être assez chaud. On a d'autres élèves, de toute façon. C'est pas bien grave. Ok, il y en a plus. Alors, enfin. Hop. Ah, plus on va pas aller le chatouiller. On a déjà suffisamment de pertes comme ça. Pour aller en perdre d'autres supplémentaires. Hop. Voilà. Bon, en vrai, le combat s'est pas déroulé de la meilleure des manières. Dans le sens où les mecs sont tous venus vers nous. C'est quand même assez chelou. On a même pas eu le temps de s'avancer que. Qu'ils étaient déjà sur nous en fait. Hein. L'embuscade n'a pas eu lieu d'être en fait. Bon, on va le rallier, on sait jamais. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais... Écoutez, on va faire ça. On va relaisser nos alliés passer devant. De toute façon, je crois pas qu'il y ait de... Ah, il y a un allié, là. Il y a un méchant. On va faire passer Byless. Hop. Hop. Voilà, on va mettre fin. On va en finir avec lui. Hop. Agage dès le bonhomme.
Non, tu peux avancer d'une case supplémentaire. Merci. Support, remède. On va soigner notre ami Byless. Hop. Toi, tu peux t'avancer à la place de lui, donc on va t'y mettre. Puis là, de toute façon, on n'a plus qu'à avancer, donc allons-y. Il n'y a pas de déplacement automatique là, parce que là on fait le tour pour rien. Hop. Hop. Et hop. Allez, on est reparti. Byless, tu vas là. Ensuite, toi, tu vas là. Parce que tu le peux. Tu vas là, boum. Delgarde, tu vas là. De toute façon, on va commencer un autre combat là, donc je sais même pas si ça vaut le coup de vraiment déplacer mes élèves, mais je crois que si. Donc on verra bien. Il semble que ça a une importance. Je suis pas certain de ce que j'avance, mais il me semble. Il semble que si. Hop. Objet épée du créateur équipé. Attendre. On est que 6. Là pour le monstre ça va être chaud. Pour le boss. Nom de duo. Ça va être compliqué. J'ai peur. Alors du moins avoir les tripes de me piquer la langue, je vais te crever, je vais te crever jusqu'au dernier. Hop, une petite esquive. Je t'ai pas défendu? Feu, épée en acier. Cuirade, feu. Ah bah voilà. Très bien ça. Oula. Il a pris la max par contre, Byless. Hop. Ok, donc ça c'est la cinématique où il se transforme en monstre. Pas mal pour une bande de moutards pour y gâter. Rip. Qu'est-ce que... Et oui, c'est ça de jouer avec des pouvoirs un petit peu trop méchants. Faut vous barrer. Il faut vous barrer. Il faut vous barrer. Barrez-vous. Ah. Malheur, cette chose, je me casse d'ici. Attendez. Non, pas attendez, non. Ouais. T'aurais bien fait de partir. Rip. Il est un peu con lui. Et je suis méchant. J'ai des yeux rouges et je suis dégueulasse. Voilà. Cette forme. Aïe aïe, c'est la première fois que tu affrontes une telle créature. Non, alors grand des oreilles. Réserve de PV, brisement d'armure, tactique, attaque furieuse, c'est quoi ça déjà? Reste sur tes gardes lorsqu'elle change son pouvoir, les attaques plus de puissance, cause des dégâts, blablabla. Ok. Tu vas aller terrasser cette bestiole au lieu de bavarder. Tel destin de ceux que les gemmes emblématiques corrompent, quelle misère. Le moins que nous puissions faire est d'abréger ses souffrances. Il n'y a plus personne. Ok, bon, ça fait 32 minutes qu'on est sur ce combat encore une fois. Donc bien évidemment, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour dans quelques jours, je dirais deux, pour la suite. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.